C'est pas un fond plat d'une assiette, hein, c'est un creux en fait, ça va faire comme ça. Et là maintenant, je vais juste presser pour pouvoir faire la paroi. Voilà. Et là, vous voyez cette main, on a besoin des deux mains, mais voilà, pour vous montrer, si vous voulez voir ce que je fais en dessous, quand la main n'est pas là, c'est ça, c'est vraiment, vous avez un doigt et le pouce. J'utilise le majeur. Ça dépend de la taille de... Et quand c'est une grosse boule, c'est carrément le côté de la main. Et la vague.